Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en avant-première donc des codes de GTA 5. Donc déjà le livre acheté avec des posters. Alors je vais mettre comme ça, on va mieux voir. Donc petite nouveauté, déjà les graphismes sont mieux faits. Sur la Xbox 360, on pourra avoir des avions. Donc ça, c'est attendu. En général, surtout pour moi, parce que j'en avais marre de me trimballer en voiture et en moto ou en bateau. Là, les voitures seront beaucoup plus stylées au niveau des voitures de sport. Les motos seront à peu près les mêmes, sauf il y aura un quad. Les hélicos et les avions, alors là, c'est tout nouveau. L'avion sur la Xbox, donc il y aura l'avion, le jet privé. Il y aura l'hélico normal. Il y aura le petit hélico avec les deux petites mitraillettes qu'on retrouvera sur l'ordi de GTA 4. Le petit avion de voltige et des petits conseils avec l'avion militaire et le busard. Ici, on aura une nouveauté, le jet ski et le petit sous-marin de poche. Donc voilà, ici, ils expliquent avec les posters. Et ici, donc aussi une nouveauté, les sports. Donc là, on va avoir les chakras, donc avec le yoga et tout. Le triathlon avec la natation, la course et le vélo. Le cyclisme, le tennis, la plongée, les fléchettes, chute libre et le golf. Donc la chute libre aussi qui était très attendue par des joueurs de GTA 4 sur Xbox 360. Sur Xbox 360, on ne peut pas avoir de parachute, c'est que avec les codes sur ordinateur ou autre PlayStation ou autre console. Ici donc après on a les montants à peu près estimés, là les sauts. La banque qui saute, c'est 1 million de dollars. La bourse en ligne. Les aventures financées. Ou les petits braquages. Donc là, ils expliquent. Voilà, les propriétés. Verdict. Et donc, nous arrivons au code de triche. Donc, sur Xbox 360. Donc, alors, la mise au point. Pour des balles explosives, on va avoir XA, gauche, RB, RT. Gauche, roi, droit, LB, LB. Voilà, là je vous laisse lire. Hein. Je vous laisse regarder, je vais faire défiler tout doucement. Et donc, il y a des petites nouveautés, comme le Switch, qui permet donc de choisir entre trois personnages, Trevor, Mitchell, et un autre que je regarderai après. Et donc, ils ont trois capacités spéciales. Donc je vous en dirai plus après les codes. Et donc voilà, il y a plein de codes comme avant. Maintenant sur PS3. Donc il y a des avions spéciaux, anciens. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir tous les codes. Parce que même sur GTA 4, il y avait le téléphone et il y en avait plus. Et voilà, c'est aussi ce qui est pénible avec ça. C'est que on n'a pas le téléphone. Donc impossible de retenir les codes de triche. Il faut les avoir sous les yeux. Petit inconvénient, mais bon. Je pense avec les adeptes de GTA, ceux qui avaient Sant Andreas s'étaient déjà habitués. Donc ensuite, je vais essayer de retrouver les trois personnages. Donc voilà. On a Trevor, le psychopathe. Donc sa compétence spéciale, c'est qu'il fait plus de dégâts. Et mort, il subit moins de dégâts au combat. Ensuite, il y a Michael, le cerveau, donc qui ralentit le temps pendant une fusillade. Et Franklin, avec ses deux chiens, sa capacité spéciale, donc qui ralentit le temps lorsqu'il est au volant. Donc voilà, et donc là, ça s'appelle le switch, le changement. Pendant un braquage, on peut utiliser le switch autant qu'on veut, sauf pendant que les policiers nous arrêtent. Enfin, nous poursuivre, on peut le faire pendant un braquage et j'ai vu que GTA 5 était conçu aussi au niveau des missions pour qu'on utilise le switch, sinon on allait être plus vite embarrassé dans certaines missions. Donc là, avec des petits avantages comme par exemple les canaux d'évacuation de la ville rejouent sans cesse la poursuite du camion de Terminator 2. Donc voilà, on voit chose. Donc voilà, c'était
une petite vidéo sur GTA V en avant-première avec quelques codes de triche. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.